on va créer cette application en mode prototype. Et si l'application intéresse les gens, à ce moment-là, on pourra maintenant le coder. Là, il y a des tablettes, donc iPad, il y a des écrans d'ordinateur et ensuite, on peut mettre l'écran que nous voulons. On peut choisir notre écran. Mais nous, on va chercher Android puisque nous, on utilise des Android. Donc, on va juste cliquer sur ce petit menu-là, le petit bouton en bas. On choisit Android. Il y a un premier outil qui va nous permettre de sélectionner. Dans ce logiciel, on ne sélectionne pas avec n'importe quoi. Pour sélectionner quelque chose, il faut que tu ailles chercher l'outil qui permet de sélectionner. Comment ça se fait? Le bouton est un calque. D'accord? On va créer un bouton dans un calque. On va créer le texte dans un calque. On va créer tout ce qu'on aura à créer. On va se mettre ici. Bon, ça sera les calques. Les calques, c'est juste un empilement d'éléments. Donc ça fonctionne comme ça. Allez, un peu plus haut. C'est grâce à cet outil-là. Maintenant, si on veut un cercle, vous cliquez juste sur le cercle. Vous avez un ellipsoïde, bizarrement. D'accord? Vous connaissez la touche Shift? Maintenez la touche Shift et vous dessinez le cercle. Vous désélectionnez. Ok? Vous le resélectionnez si ça a été désélectionné. Tu as lancé l'installation, Vanessa? Tu peux vérifier, il y a un truc qui s'est affiché quand tu l'as. Avec CTRL Z. Non. Est-ce que vous avez essayé ici? Non, avec Shift. Maintenez Shift. Quand vous cliquez, vous maintenez, vous cliquez gauche, ensuite vous dessinez le cercle. Okay. Vous lâchez. J'ai des voyants qui sortent. Voilà, je gère les bordures comme ça. Je me présente, je suis Madame Etoka Beka Ndessa. Je suis chargée de la communication à la Banque Congolaise de l'Habitat. Alors, nous avons participé ce matin à l'atelier de formation sur les techniques de calcul de cycle avec une application. Donc, mes impressions, elles sont très bonnes. L'atelier s'est très bien passé. La participation des dames était vraiment très bonne. I'm Vanessa Mitu, and I'm one of the participants of the workshop on Kemto app. It was a great experience being among different women with different profiles working on this application.